Salut les filles, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est, j'ai déjà oublié quelle journée c'est, samedi 25 mai. Il est 14h03 ici en Guadeloupe et je vais m'attaquer à ça parce que mon tiroir ici décollé en fait le cette partie-là s'est décollée donc je l'ai recollé donc là je vais remettre tout ce qui était dans mon tiroir donc il faut que je le remette en place, ça va être galère de tout remettre. Bon, il n'y a pas grand chose mais c'est le truc qu'il faut que je replie donc c'est ça qui m'énerve le plus donc c'est parti pour un petit vlog. Allez. J'ai fini, c'est galère de mettre les tiroirs en place, mais au moins ça se barre pas. Celui-là non plus. Sinon, ben tranquillement, j'ai hâte de partir en vacances. Je sais toujours pas ce que j'emmène en vacances. Il y a des fois, j'ai des idées, j'essaie quelques tenues, mais là, je sais pas du tout ce que je vais prendre. Ou du moins c'est pas complet. Il y a des nouveaux achats que j'ai faits. Je sais pas si je vous ai montré mes achats. Par exemple, il y a ce maillot de bain que j'ai acheté à Pointe-à-Pitre. Donc c'est une culotte comme ça. Et le haut. Alors attendez. Je la replie à la façon Marie Kondo. Et l'autre partie du maillot de bain, c'est un tankini en fait qui se présente comme ceci. Donc c'est à double bretelle et une autre bretelle ici, genre qui est fermée. Je sais pas, voilà. Donc il se présente comme ceci. Il y a des rembourrages comme ça, coussinets. Et après, ça fait un tankini un peu ouvert sur le côté, comme ça. Enfin, ça fait un peu rond, vous voyez. Voilà. Je l'ai acheté pour 25 euros à Pointe-à-Pitre. Ben, à Pointe-à-Pitre. Ça, c'est galère à plier par contre. Ça. Donc j'ai acheté ça mais je pense que je vais en racheter un autre un peu plus dans mon genre parce que celui-là c'est j'aime bien mais c'est tellement pas mon genre des deux pièces ou des tankinis que je sais pas si je vais oser le porter donc voilà. Sinon je sais plus ce que j'ai acheté de nouveau et que je vous ai pas parlé, je me rappelle plus. Attendez. J'ai ce haut-là. C'est une tunique en fait que j'ai achetée sur Afibel. Donc voilà à quoi elle ressemble. La matière, je ne sais pas si vous allez voir,
Elle est un peu crépon, mais pas crépon, je sais pas comment on appelle ça. Mais voilà, ça donne ça. J'ai aussi, je mets par terre parce que je mets au sale. J'ai aussi cette paire de baskets. J'ai aussi cette paire de baskets là que j'ai acheté aussi sur Afibel. Plutôt, ouais, c'est de la toile. Et j'ai beaucoup aimé cette paire juste pour ce qu'il y a de marqué là. Donc il y a marqué Enjoy Summer, Have Fun avec une petite pastèque. Donc je me suis dit, vous voyez, elles sont très très souples, donc c'est pas vraiment de la qualité. Mais je me suis dit, pour les vacances, voilà, c'est de la marque. Anarita. Ça a été fait en Italie. Ça fera le temps que ça fera, mais j'ai trouvé sympa pour l'été, pour mettre avec une robe ou même pour avoir des chaussures un peu moins costauds que des baskets de sport, parce que je compte emmener ce genre, cette basket-là, mes baskets de sport, parce que si je marche tout ça, excusez-moi, il fait super chaud, donc je transpire. Et je compte emmener mes tongs. Donc pour partir, je vais me mettre en basket, je pense les blanches. Pour marcher dehors, je mettrai des baskets bas de sport. Et pour la maison et tout ça, si je sors pas, je mettrai mes tongs parce que c'est dans ça que je suis le plus à l'aise. Sinon, je pense emporter ma robe de chez Gémeaux. J'ai peut-être emporté une chemise que j'ai achetée aussi sur Blancheporte ou Affibel, je sais plus. Je vais vous la montrer. C'est celle-ci. C'est une imitation jean, mais c'est pas du jean. C'est chez Affibel. Elle est assez souple. Elle est rigide, mais un peu souple. Il faudra juste que je la repasse. Faudrait que je la lave aussi parce que je crois que je ne l'ai pas lavé. Je ne l'ai pas encore mise parce qu'ici il fait super chaud, mais je pense que pour en France ça ira super. Donc voilà. Et puis tranquillement, je fais des achats pour là-bas. Je sais pas si je vous ai montré ce sac-là que je vais prendre pour partir en vacances en bagage à main. En fait, c'est un Little Marcel que j'ai eu à Évrochet. Donc voilà. Sinon, j'espère que vous passez un bon week-end, que ce mois de mai est, je trouve, passé super vite. C'est dingue, je l'ai pas vu passer quoi. Et voilà quoi, je sais pas si je vais revloguer au mois de juin, parce que là je pense pas que je vais revloguer d'ici la fin du mois. Donc si je revlogue au mois de juin, ça va être sûrement fin juin pour le départ et les préparatifs du voyage. Mais sinon, je pense pas revloguer. Demain, je vais aller à l'aéroport pour récupérer, pour ramener ma soeur. Bah, chez elle, donc à l'aéroport, il faut qu'elle reparte. Sinon, aujourd'hui, je suis allée voter. Je pense que chez vous, c'est demain, donc bonne chance à tous ceux qui votent, hein. Voilà. Et puis, bonne fête des mères à vous, à toutes les mamans qui peuvent me regarder ou pas, j'en sais rien. Moi, je suis pas maman, mais j'ai une maman formidable et je sais que je lui fais la misère, donc pas dans le sens où je fais des conneries, mais dans le sens où elle se fait énormément de soucis pour moi par rapport au fait que je ne travaille pas. Et non pas que je veux pas travailler, mais si vous voulez savoir pourquoi, je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Sinon, j'ai réussi à vendre mon objectif. Normalement, quand vous regardez ce vlog, il sera parti. Ou du moins sur le point de partir à son destinataire, son nouveau destinataire. Donc voilà, je suis super contente parce que
j'ai pu vendre quelque chose et je vends franchement ici en Guadeloupe. C'est pas comme en France où on peut vendre des trucs comme ça, vous voyez. Faut vraiment connaître des gens ou alors faut connaître un site de vente guadeloupéen, mais moi je ne connais pas et je ne connais pas de personnes qui veulent genre des objectifs ou des vêtements ou ce genre de trucs. Ça se fait pas trop ici en fait, je pense. Ou alors ça se fait, mais c'est au bonheur la chance quoi. Donc voilà. Excusez-moi, je transpire, mais j'ai toujours pas de ventilateur. Je compte en acheter un en rentrant de vacances. Parce qu'avant ça sert à rien du tout. Enfin si, ça aurait pu servir, mais je voulais pas mettre de l'argent dans un ventilateur, sachant qu'on partait et je voulais économiser un peu de sous pour autre chose en fait. Pas forcément pour des choses utiles, hein, mais pour autre chose. Donc voilà. Sinon, ce matin, je suis allée voter, comme je vous ai dit, et puis je suis allée aussi acheter des gâteaux pour la fête des mères, vu que ma mère veut des gâteaux en pâtisserie pour sa fête. Donc, je lui ai acheté deux gâteaux. Elle était avec moi, donc elle les a vus, puisque c'est ce qu'elle voulait. On a choisi les mêmes gâteaux. Enfin, il n'y en a que deux, quoi. Un pour elle et un pour moi, des petites parts de gâteaux. Et c'est des opéras. C'est trop bon. On n'en mange tellement pas souvent que. Allez, pour la fête des mères, on se gâte. Pour le repas de la fête des mères, ça sera un dombré ouassou. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, ben, vous pouvez rechercher sur Google, taper dombré ouassou, vous aurez plusieurs recettes de ça. C'est super bon. En fait, des ouassous, c'est des grosses crevettes. On appelle ça des ouassous ici. Donc, voilà. Et c'est super bon. Et dombré, c'est des boulettes de farine. Des boulettes de farine, voilà, tout simplement. Et puis c'est cuisiné à la créole, quoi. Et c'est super bon, c'est un de mes plats préférés ici, donc voilà. Et je pense que ça va être tout pour ce vlog. Je vous laisse, je vous dis à bientôt et bon week-end et bonne fête des mères à tous. Bisous.